Bonsoir. Très heureux d'être à Tours ce soir, dans cette ville garante d'une Loire vivante. Et ici, c'était une question d'éducation. Éducation à l'environnement, éducation à la nature, éducation au développement durable, éducation à la transition écologique. Il y a beaucoup de façons de la nommer, cette éducation qui est née il y a une soixantaine d'années. Mais le propos est toujours le même. Il s'agit d'apprendre une nouvelle façon d'habiter la Terre. Et pour ça, on a tous du chemin à faire. Albert Einstein disait « La connaissance vient de l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. » Alors, je vais vous inviter à vivre deux expériences. Pour la première, j'ai apporté une plume. L'éducation à l'environnement, elle fait vivre des expériences de nature et des expériences de société. Cette plume, elle était encore accrochée à son oiseau il n'y a pas longtemps dans le ciel, et elle est tombée, et en tombant, évidemment, comme tout ce qui tombe, elle a fait du bruit. Écoutez. Vous avez entendu? Peut-être tout le monde n'a pas entendu, mais ce n'est pas forcément une question de compétence. Il y a eu quelques bruits parasites. On recommence. Attention, deuxième essai. Cette fois, on écoute bien tous, ensemble. Voilà. Cette fois, tout le monde a entendu. Ou presque. On a fait cette expérience parce que l'écoute est au cœur de l'éducation à l'environnement. L'écoute de la nature, évidemment, mais aussi l'écoute des autres et l'écoute de soi. Maintenant, attention, deuxième expérience, un peu plus difficile. Je vous invite à faire la connaissance de la personne qui est à côté de vous, ou derrière, ou devant, que vous ne connaissez pas. Vous avez 20 secondes pour échanger votre prénom, dire là d'où vous venez, ou ce que vous voulez. 20 secondes, top chrono. Merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci de jouer si bien le jeu. Top. Les 20 secondes sont passées et vous assure, vous pouvez vous retrouver à la sortie. Merci. Pourquoi on a fait cette deuxième expérience? Pour deux raisons. La première, c'est que aussi au cœur de l'éducation à l'environnement se trouve le faire ensemble. Et avant de faire ensemble, il faut échanger. Et avant d'échanger, il faut se rencontrer. La deuxième raison, c'est que l'éducation à l'environnement aime bien mettre en correspondance le geste et la parole. La question de la cohérence. Je fais ce que je dis ce que je fais. En fait, pour moi, cette aventure de l'éducation à l'environnement, elle a commencé en 1979, j'avais 24 ans, je cherchais ma voie, et le mot qui revenait, c'était nature. Nature, nature. Et coup de chance, je suis tombé sur ce métier d'animateur nature. Et pour commencer dans cette voie, il était proposé de passer le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et ce BAFA, je l'ai passé à quelques kilomètres d'ici, en forêt de Chinon. Et tout de suite, ça a été une révélation. Parce que nous étions dehors, parce que nous vivions la pédagogie de projet, parce que j'étais avec des passionnés de nature, et puis, c'était le printemps. Le plaisir était de tous les instants dans les apprentissages. La bienveillance des uns pour les autres était une évidence. Pour moi, tout de suite, ça a fait sens. J'avais trouvé ma voie. En fait, je l'ignorais complètement, mais j'avais un sacré bagage. Élevé à la campagne, j'avais vécu beaucoup d'expériences de nature. J'avais couru les bois, j'avais couru les prés, j'avais construit des cabanes, j'étais monté dans les arbres, des centaines de fois. J'ai passé des heures et des heures dans les arbres. Et puis, j'étais à la pêche. Mais souvent, je jouais du lance-pierre. Et pas mal d'oiseaux en ont fait les frais. Et il y a eu l'épisode de la chouettulotte. J'avais 12-13 ans. Elle était en plein jour, sur une branche de pommier. J'étais à une vingtaine de mètres. J'ai hésité. Et puis j'ai tiré. Et elle est tombée. Et j'ai couru vers le pommier. Et j'ai pris dans mes mains. Et là, j'ai eu tout de suite le sentiment que j'avais fait quelque chose que je ne devais pas faire. J'avais détruit la beauté. Je courus vers la maison, la montrer à ma mère, et lui dire d'en parler à personne. J'éprouvais une terrible honte. Oui, j'avais beaucoup d'expérience de nature, mais j'étais livré à moi-même. J'étais livré à l'ignorance et aux préjugés. Coup de chance, mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi, m'a mis dans les mains le Peterson. Le Peterson, c'est le guide des ornithologues. Et j'ai troqué le lance-pierre contre des jumelles. Et la connaissance est venue remplacer l'ignorance. Très vite après ce stage, j'ai fait des dizaines de classes vertes, de classes de mer, de classes de montagne. J'ai fait des centres de vacances, de découverte de la nature. J'ai formé des animateurs, mais cette fois en tant que formateur ou directeur. Et très vite, je me suis rendu compte que cette éducation à l'environnement, elle marchait sur 2 jambes. Elle marche sur la jambe de la relation avec la nature et elle marche sur la jambe de la participation citoyenne. La relation avec la nature. Souvent, dans les classes vertes, un enseignant insistait pour que les enfants partent avec un cahier et un crayon. Et les enfants se retrouvaient dans les chemins avec un cahier et un crayon. Et puis moi, je touchais la mousse, je touchais les feuilles, je regardais les cailloux. Et très vite, les enfants, quelques-uns notaient peut-être 2 ou 3 choses, mais les cahiers étaient très vite oubliés. Et le droit était donné aux mains de toucher ce qu'il y a autour, de toucher et d'entendre et d'ouvrir les yeux. Et aussi... de sentir, et aussi de goûter. Et aussi de goûter, d'être au contact de la nature. Au contact de la nature, c'est-à-dire refaire la connexion, ou tout simplement la faire, parce que beaucoup de gens n'ont pas cette chance de connaître la nature très tôt. Et ça va nous emmener très vite à l'émerveillement, à la contemplation. Et ça apporte du calme. Et on se sent bien. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que des chercheurs américains ont mis à jour cette idée de syndrome de manque de nature. Oui, quand nous manquons de nature, quand nous manquons de ce bain de nature, on arrive à avoir ce qui s'appelle le syndrome de manque de nature. Et des maladies comme la myopie, l'obésité, l'hyperactivité, la dépression peuvent être limitées par une fréquentation assidue de la nature. Si je prône là l'approche sensorielle, puisque ce qui compte en premier, c'est d'être avant de connaître, ça ne veut pas dire que je disqualifie l'approche scientifique ou l'approche intellectuelle, pas du tout. Puisque quand on va voir, très vite, on va observer. Très vite, on va décrire, puis on va nommer, puis on va essayer de comprendre les mécanismes, relations entre les plantes, les animaux. On va être dans le cours, dans la leçon d'écologie. Cette leçon d'écologie qui nous dit les 4 grands principes que tout le monde connaît ici, j'imagine. On va les rappeler. 1. Tout vient de l'énergie. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et la vie, c'est principalement une circulation d'informations et d'énergie. 2. La diversité, c'est la richesse. Plus on a d'espèces animales, plus on a d'espèces végétales présentes sur un milieu, et plus ce milieu est productif et stable. Vous voyez les forêts tropicales ou les estuaires. 3. La nature ne fait pas de déchets. Les rejets de l'un, c'est la ressource de l'autre. 4. Et c'est peut-être le plus important. Nous dépendons tous les uns des autres. Nous avons, les êtres vivants, ça, d'avoir un destin commun. Et c'est le principe d'interdépendance. Si c'est bien de se sentir bien dans la nature au point de vue sensoriel et intellectuel, c'est bien aussi de se sentir en phase avec Spinoza, quand il dit « On ne saurait rester inactif si on est menacé de destruction. » Oui, menacé de destruction. L'année 2016 a été la plus chaude depuis qu'on fait des relevés météo. L'année 17 sera probablement plus chaude que l'année 16. Les espèces disparaissent, les pollutions augmentent, l'inquiétude croît, et il est urgent d'agir. La deuxième grande découverte que j'ai faite dans ce stage, c'était les pédagogies actives. Il s'agit là d'apprendre dans la vie. C'est Ovide Decroly qui disait « L'école doit être partout où est la nature, partout où est la vie, partout où est le travail. » On vit en faisant et on fait dans la vie et on apprend dans la vie et en faisant. Or, c'est simple, on en a déjà un petit peu parlé. On fait du terrain, on va dehors, on se confronte à la réalité, on travaille en petits groupes. C'est comme ça qu'on apprend à faire ensemble. On fait appel à toutes les disciplines, c'est interdisciplinaire, bien sûr. On est dans la pédagogie de projet, on apprend en faisant beaucoup de créativité ensemble, créativité collective. On apprend à s'exercer au débat. On apprend à travailler avec des personnes de différents âges. On apprend à tenir conseil, à prendre des décisions collectives, à les respecter. Toutes ces façons d'apprentissage, ces pédagogies qui viennent du XXe siècle, pour la plupart, on connaît Montessori, on connaît Steiner, on connaît Freinet, et il y en a beaucoup d'autres. Ils ont constitué un véritable trésor pendant tout le XXe siècle, et ce trésor n'a pas été réellement utilisé. Aujourd'hui, l'espèce humaine a besoin d'innovation. Elle a besoin de personnes qui ont confiance en elle. L'espèce humaine a besoin de personnes qui prennent des initiatives. Et là, je pense à cet exemple, vous connaissez sans doute ce jeune Hollandais, à 16 ans, il se baigne dans la Méditerranée, les fonds sont magnifiques, il est émerveillé, et il rencontre pas mal de plastique. Et ça ne lui plaît pas beaucoup. À 17 ans, l'année d'après, il concevait un procédé pour retirer les plastiques des océans. 4 ans plus tard, il avait réuni 2 millions de $ grâce à un crowdfunding qui a mobilisé 38 000 personnes de 160 pays. Nous sommes nombreux à rêver d'océans sans plastique. Je parle de Boyan parce que il est très jeune quand il prend cette direction. Et cette direction qu'il a prise, importante dans sa vie, elle est importante pour lui, certes, mais elle est aussi importante pour nous. Il faut peut-être y penser. Et je pense à ces enfants de 9, 10 ans, 12 ans, qui aiment la nature, qui aiment la terre, qui aiment la paix, qui aiment les plantes, qui aiment les bêtes. Ces enfants qui ont des rêves dans l'esprit, dans la tête. Si on leur donne une pédagogie bien adaptée, ils sauront par eux-mêmes agir, entreprendre, avec les autres, dans un esprit de responsabilité. Ils auront acquis de l'autonomie, ils seront socialisés et forts dans l'expression de leur créativité. Voilà ces pédagogies actives, ce qu'elles apportent, et c'est aujourd'hui très nécessaire. Les territoires, il est important de miser sur la jeunesse et de donner à la jeunesse la possibilité de vivre des expériences. Très tôt, des expériences. Pensons pas connaissance, pensons expérience. Et là, dans les territoires, vous connaissez tous certainement des exemples. Vous connaissez des cantines bio. Ce sont des personnes qui ont pris la décision un jour d'agir pour que dans la cantine de leurs enfants, ce soit des produits biologiques. Et c'est comme ça que ça commence. On commence avec 10%, 20%, peu importe. Ça continue après et on peut arriver à 100%. On a des composts collectifs. On a des jardins partagés. On a des monnaies locales. Et tout ça, ce sont des moyens d'aller vers la transition écologique. Tout ça, c'est bon pour la planète. Aujourd'hui, on a déjà prouvé certaines choses, nous, l'espèce humaine. Là, je vous apporte juste trois exemples. Et le premier, c'est ce faucon pèlerin, que vous reconnaissez peut-être, et qui avait quasiment disparu du ciel de France, complètement disparu du ciel de Belgique dans les années 70. Cette année-là, 2017, rien qu'à Bruxelles, il y a 12 couples qui sont en train de se reproduire. On peut d'ailleurs les voir tous les jours, il suffit de cliquer sur Internet, c'est un show permanent. En 90, il restait 14 espèces de poissons dans la Seine. Il n'y en a plus que 30 aujourd'hui. Rappelez-vous les années 2000, l'angoisse pour la couche d'ozone. Maintenant, c'est quasiment derrière nous, elle est en train de se reconstituer. Ça devrait être fait dans les années 50. On sait rectifier le tir. Aujourd'hui, la situation est très grave, probablement plus grave que toutes celles que j'ai citées. Mais la capacité de l'espèce humaine à prendre des décisions et à s'organiser, elle est très grande aussi. Alors, c'est le changement qu'elle a devant nous. Le changement de soi, le changement des organisations, le changement des territoires. On peut jouer sur les trois tableaux, après tout, pourquoi pas. Et faire et changer en faisant. Et là, on a un grand allié. Et ce grand allié, c'est la beauté. Rappelez-vous de la chouette. Je n'ai pas encaissé encore. C'est la beauté, et là, j'ai trois bonnes nouvelles. La première, c'est qu'enfin, les humains ont quelque chose à faire ensemble. Et là, il ne s'agit pas de construire une grande nation dans l'opposition à d'autres grandes nations. Non. Il s'agit de retrouver les grands équilibres écologiques. Je suis d'accord, on en a pour quelques années. Deuxième bonne nouvelle, ces petites rivières de l'éducation à l'environnement que certains d'entre vous peut-être n'ont pas encore vues, depuis 40 ans qu'elles coulent, elle est rejointe en ce moment par une autre rivière, plus grosse, tumultueuse. C'est la rivière du renouveau éducatif. Ce renouveau éducatif, il est en train de se vivre en ce moment, dans les établissements, dans les territoires, dans les pays même, comme en Finlande, où on mise sur des nouvelles valeurs comme la confiance donnée aux enfants, la confiance donnée aux enseignants. Et ça change tout. Et on avance. Notre possibilité aujourd'hui pour ce changement, probablement, c'est l'ouverture et la rencontre. Après, ça fait son chemin, à moins que ce soit la rencontre d'abord et l'ouverture après, mais ça fait toujours son chemin. Notre parole partagée, c'est le meilleur chemin vers l'intelligence collective. Alors, multiplions les rencontres, multiplions les échanges, faisons naître des projets, écoutons ceux qui sont dans le geste, ceux qui sont dans l'action. On a déjà la société civile qui a fait des réseaux d'éducation à l'environnement, qui a fait des collectifs, qui a créé avec ses partenaires de l'État, des collectivités, des entreprises, des espaces de concertation pour l'éducation à l'environnement. Il y a le grand mouvement des assises de l'éducation à l'environnement, qui est un mouvement international. Et tout le monde peut faire des assises dans son quartier, dans sa ville, dans son département. Il suffit d'accrocher le wagon. Le train est parti depuis les années 2000, et là, maintenant, c'est les 4e assises déjà. Elles sont internationales. Voilà. On a la possibilité de changer. On peut s'ouvrir à ceux qui font, leur donner la parole. Ils ont quelque chose à nous dire. Et nous, tous, c'est certain, c'est clair, nous avons quelque chose à faire. Merci. Merci.